RPG Week numéro 28. La question est, comment qu'on fait pour revenir au travail après une semaine de relâche avec des enfants? Ben non, c'est pas ça pas tout. Je pense que j'ai eu un traumatisme. Trop épuisant cette semaine-là. La vraie question, c'est rasage de jeu de rôle. RPG Week numéro 28. La source. D'où est-ce que vous... prenez votre jus pour le jeu, les parties pis tout, tu sais. Personnellement, c'est moi. Moi, j'amène mon jus, là. Je m'amène toujours de quoi à boire pour de... Quoi? Ah, c'est pas ça la question? Excusez. Ah, le jus! OK, le jus. Ben oui, le jus. Qu'est-ce? Le jus, c'est ça. D'où tu tires le jus pendant tes parties? Le système, etc. Bon. Dans mon jeune temps... J'étais le maître, j'étais le maître généreux du jus. C'est moi qui donnais beaucoup pour que la partie elle marche. Autant physiquement, émotionnellement, je préparais du stock, puis j'en apportais, puis je me donnais beaucoup. Là, avec les années, à un moment donné, j'ai fait tenez de donner beaucoup. Là, j'ai demandé beaucoup aux joueurs de le donner le jus. Tu sais, je te disais. Qu'est-ce que tu veux dans le game? M'en arranger pour que ça arrive, m'en arranger pour le faire, etc. T'sais. Puis je pense que là, j'ai comme été trop loin de l'autre bord. Ça dépend vraiment des joueurs. T'sais. J'ai eu des joueurs que eux autres, c'était des immenses poches de jus. Ils me donnaient du jus, puis là, je pouvais faire bien du stock. T'sais. Puis j'ai aussi eu des joueurs qui étaient genre. Ils étaient du jus en poudre. Fallait que tu lui donnes de l'eau, parce que sinon, ça donnait aucun jus. C'était plate, là, tu sais. Là, aujourd'hui, je commence à revenir à un... Je dirais peut-être pas 50-50, là, mais, tu sais, on s'approche de ça, tu sais. J'en donne un peu, les joueurs en donnent. Mon but ultime dans les jeux de rôle traditionnels, jeu de rôle traditionnel qui est le Power Mode de 2019, c'est que le maître en donne moins que les joueurs, tu sais, c'est... On a vu des systèmes qui ont encouragé ça, puis tout. Et en tant que maître aussi, même dans un système très traditionnel comme Donjons & Dragons, qui est comme la tradition ultime, tu sais, j'essayais de, en tant que maître, d'en faire le moins possible pour que les joueurs en apportent le plus. Je pense qu'un bon ratio jus, là, c'est entre 60 et 75% par les joueurs, puis le reste par le maître. Parce que c'est ça, tu sais, c'est... le maître a beaucoup de choses à faire derrière son écran, dans sa tête. Les joueurs, eux, ils ont juste à avancer là-dedans. Je pense que le maître devrait être moins juteux que les joueurs. Ouais. On va finir ça là-dessus. Le maître doit être moins juteux que ses joueurs. Merci, bonsoir.